grâce à cette atmosphère de vie politique dans laquelle les partis refusent de se discuter et d'aller au dialogue. Je suis dit de pouvoir de mettre la Guinée au-dessus d'un niveau personnel. À cet égard, je demande à mon gouvernement et aux acteurs sociopolitiques l'arrêt immédiat de toute forme de violence et la mise en place des cadres du dialogue politique en faveur de la paix. Afin de permettre aux parties en conflit de s'écouter et d'échanger, de trouver des solutions pacifiques à cette crise de violence qui secoue notre pays. Oui, nous devons être fiers. Et sans délai, nos propos menaçants blessent, dévoilent, et aux destructions des vies humaines et des biens publics et privés. Car ces comportements ainsi affectent les paisibles populations guinéennes et empêchent le développement du pays. Ces comportements ainsi affectent les paisibles populations guinéennes et empêchent le développement du pays. C'est le lieu nécessité que nos acteurs sociopolitiques doivent privilégier le dialogue, la concertation et le consensus en lieu et place des actes de violence. Car le dialogue est la voie royale qui conduit à l'organisation des élections libres, transparentes et libres, et la consultation de la paix. Aussi, faut-il le rappeler que le dialogue renforce les systèmes démocratiques en créant la confiance entre les acteurs, en les engageant dans la dynamique de la construction d'un avenir à crise et au rétablissement de l'unité nationale, condition sine qua non pour un développement économique et social. Pour la facilitation de ce processus du dialogue, nous devons nous appuyer sur des mécanismes en projet de résolution de conflits par une forte implication des femmes et des chefs de communauté pour promouvoir la culture de la paix, de la tolérance et de l'amour. Appuyer cette démarche, nous dirons avec un de chercheurs que la recherche de la paix doit être basée avant tout sur des processus en projet. Cette implication interne, cette impulsion interne bénéficie d'un cœur de compromis par tradition du monde, la société africaine. Publier l'esprit de paix, de confort et d'hospitalité qui vendent ainsi dans leur culture ancestrale. Une citation. Enfin, j'invite humblement le gouvernement et tous les acteurs sociaux à œuvrer davantage pour la réalisation de notre ambition. Ensemble, une vie unie, réconciliée, prospère et engagée dans une véritable dynamique de développement pour le bien-être de la population guinéenne. En comptant sur la puissance intercession de notre dernière auprès de Dieu, je lui confie à l'occasion de sa fête. Thank you.
représentant du chef de l'État, vous venez participer à l'éclaircie de l'État. Et dites-nous quel enseignement. Écoutez, la fête de l'Assomption, c'est l'une des plus grandes fêtes catholiques. Aujourd'hui, je me suis imposé l'obligation de venir prier. Vous remettez, s'il vous plaît. Vous remettez le matin. Est-ce que vous entendez? Oui. Bien. Je disais donc que la fête de l'Assomption, c'est l'une des plus grandes fêtes de l'Église catholique. Nous, chrétiens catholiques, nous célébrons l'élévation de Marie, notre mère, au ciel, pour être son âme, son corps. Donc, c'est une très grande fête catholique et j'ai estimé nécessaire de venir m'associer aux fidèles chrétiens, à mes frères et sœurs Christ de la cathédrale Sainte-Marie. Et qu'est-ce que aujourd'hui vous formulez comme prière pour le peuple de Guinée? Écoutez, je prie que ce pays-là puisse avoir la possibilité d'avoir la paix. Parce que nous avons besoin de la paix. Un pays à qui le Tout-Puissant a donné tout, mais ce n'est pas possible à cause des hommes que nous sommes, à cause de la qualité. Il y a des ressources humaines de très bonne qualité. Mais hélas, il y en a qui sont de très mauvaise qualité et qui empêchent ce pays d'avancer. Elles l'ont empêché d'avancer sous ses purées, elles l'ont empêché d'avancer sous Conté, elles l'empêchent d'avancer encore, sous le président Alpha Condé, qui se débat, qui met tout en œuvre pour transformer positivement notre pays. Alors, nous prions vraiment Dieu. Je prie la Sainte Vierge Marie, qu'elle intercède auprès de Dieu Tout-Puissant, afin que les prières que nous formulons au niveau des chrétiens, des musulmans, des protestants, de toutes les confessions religieuses et que sais-je, puissent être entendues pour que nous puissions avoir la paix dans ce pays, parce que nous avons vraiment besoin. Et voilà, quelques mois, quelques jours de la tenue du scrutin présidentiel, vous l'avez annoncé aujourd'hui, votre appel à tous les acteurs. Oui, et je souhaiterais vraiment que la prochaine élection qui interviendra dans le courant du mois d'octobre se passe dans toutes les conditions de paix possibles. Je vais dire à mes compatriotes, nous n'avons pas à nous inspirer de ce qui se passe dans d'autres pays. Nous avons les réalités dans ce pays-là auxquelles il faut vraiment s'attacher pour faire en sorte que nous puissions faire ce que nous avons à faire dans l'intérêt supérieur des uns et des autres, et dans l'intérêt supérieur du pays. Donc je prie encore une fois pour que les élections à venir se passent dans les temps. Et honorable, après plus de 4 mois sans venir à l'église, aujourd'hui vous êtes retrouvé à l'église. Quel est votre sentiment? Écoutez, je suis impressionné par la qualité de l'organisation de la cathédrale, enfin de la paroisse Sainte-Marie, n'est-ce pas, de la cathédrale, parce que, comme vous l'avez constaté, toutes les conditions requises, telles qu'elles nous sont enseignées tous les jours, elles nous sont indiquées tous les jours par le corps médical, par le président de la République, ont été respectées à l'église d'ici. Et j'ai été vraiment impressionné. Je vous dis, les colorants. La Covid-19, c'est pas une question de médicaments, hein. C'est une question de discipline. Dans tous les pays du monde, tous les gens sont disciplinés. Cette maladie ne s'installe pas. Prenez le cas de Taïwan, je prends cet exemple-là. Ils sont tout près de la Chine, mais ils ont réussi à maîtriser cette maladie parce que les gens sont disciplinés. En Guinée, on manque de discipline. C'est ce qui fait que, malgré le combat que mène le corps médical, et les moyens que le président de la République donne pour que nous puissions vaincre cette maladie. Bon, et faire que s'étendre jusqu'à l'intérieur des préfectures, alors que si nous étions disciplinés, aucune préfecture jusqu'à présent n'aurait été pas en train de passer par là. Merci. Voilà. Merci. Okay. Merci.